So tell me, how's it feel? Tell me, how's it feel? Sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up. Hey les gens! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo Roblox Adopt Me parce que. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Adopt Me. Ah oui, déjà, bon week-end à tous parce que je vous ai même pas souhaité. Oh là là. Donc, bon week-end à tous, les amis. Aussi, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Ça me fera plaisir et à vous abonner pour me soutenir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque j'en sors une. Et commentez tout ce que vous voulez, votre vie quoi. Abonnez-vous à mon compte TikTok, c'est très important parce qu'en fait je fais des concours là-bas de Robux. Vous pouvez voir genre en live, lorsque vous êtes abonné, vous recevez la notification de mes lives, c'est un peu logique. Du coup sur TikTok je fais des lives, je prends quelques personnes. Donc je fais un tirage de sort de 8 personnes et je leur donne des Robux, soit 25 soit 10, c'est eux ils choisissent. Il y en a, ils m'ont choisi 10 et il y en a, ils m'ont choisi 25. Donc voilà. Bref, je vais pas vous dire plus de détails parce que, en fait, le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Bref, si vous voulez savoir plus, allez voir tout ça dans mon compte TikTok et n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 50 000 sur TikTok, ça me fait énormément plaisir. On est augmenté vite, je suis choquée. Non, c'est pas ça, c'est. Je suis choquée. Voilà, là c'est mieux. Abonnez-vous à mon compte Insta, on est bientôt 10K. Donc là-bas, je poste des photos avec mes abonnés ou des photos sur moi. Enfin, non, pas sur moi, mais genre. Voilà quoi. Oh. Je suis folle. Bref, on va. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc les amis, alors déjà, je voulais vous parler de. Les nouvelles mises à jour qui vont arriver bientôt. Je sais pas quand. J'étais sur TikTok et là, je vois qu'il y aura une mise à jour d'Adopt Me. Donc. J'ai décidé de checker ça sur Twitter et en vidéo parce que j'ai pas encore checké ça. J'ai pas encore vu ça. Et donc voilà. Alors déjà, je sais qu'il y aura une mise à jour sur une maison. Enfin, les amis, enfin. Parce que regardez, les maisons qu'on a sur Adopt Me sont pas ouf. Enfin, si, ils sont bien, mais... Voilà, on veut du nouveau quoi. Et donc il y aura une maison de Lunar. Lunar ou je sais pas quoi. Une maison japonaise ou chinoise, je sais pas. Bref, une maison traditionnelle, soit chinoise, soit japonaise. Mais bref, on verra ça. En tout cas, ça a l'air grave beau. Et il y aura des nouveaux pets. Donc en fait, j'ai juste vu qu'ils ont fait un tirage au sort. Ils ont fait un sondage sur Twitter. Bref, flemme de vous expliquer. Vous allez voir ça. Donc c'est parti. Donc les amis, nous sommes sur leur Twitter. On va déjà descendre beaucoup. Et là on est... Donc là, intéressant. Donc on va déjà monter parce que tout ça on sait. Donc la mise à jour est partie. J'ai le seum parce que j'ai pas tous les pets. C'est pas grave, je ferai sûrement des trades avec des gens. Je leur donnerai des, je sais pas, des raids contre des pets. Parce qu'en fait j'ai pas tous les pets et j'aimerais bien tous les avoir. Ah voilà, oh là là. C'est magnifique, voilà. Donc c'est une maison traditionnelle. Elle est grave belle. J'aime trop, genre oh my god. Et c'est tout, on a que ça. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que ça va coûter. Non, pas des Robux, faut pas abuser. Adopt Me s'il vous plaît, pas des Robux. Non, j'ai pas envie de tuter. J'ai envie de voir les commentaires. Non, oh là là. Bon écoutez, je suis une Bambi. Donc on va redescendre. Donc on va voir. So excited to see what everyone gonna do. Oh là là. De quoi? Attendez. Do with it. Donc en fait, il dit. Il est excité de voir les gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la maison. Genre les décorations et tout. Donc voilà. Franchement. Moi, franchement, ça. Ils vont pas s'étonner. Ils vont voir juste que je vais faire un truc nul. Comme d'hab quoi. Donc vous êtes habitués les amis. Hein, vous êtes habitués. Donc voilà. Après ils disent leur vie quoi. Je voulais juste vous montrer le sondage. Parce que c'est un truc que j'ai voté. Enfin en fait j'ai voté le plus noté. Hein, parce que franchement j'ai la flemme de voter. Donc moi j'ai voté ça. Parce que je savais que ça va être le plus noté. Puisque j'ai vu des vidéos. Oh my god. Ocean Egg. Je sais pas quoi. Donc voilà. Ils ont fait un vote. Donc trop tard. Bah maintenant ça y est. Voilà quoi, 56% c'est énorme par rapport aux autres. Donc on aura un Ocean Egg. Donc je suis choquée. Parce que je ne sais pas, genre des requins, des poissons.
Enfin non, c'est bizarre. Enfin non. Bref, ça va être bizarre. Je me demande ça va être comment. J'espère qu'ils vont être cute les pets, mais waouh, je m'attends. En fait, je sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai pas d'idée. Je peux pas vous montrer genre comment je l'imagine, mais bon. Ensuite, ils ont mis un household egg, donc household egg. Je sais pas c'est quoi. Je pense que je sais. Non. Je pense que je sais c'est quoi. Je pense que c'est un truc. Je sais pas. Bref. Oh là là. Un mythical egg, donc ça a été voté 37%, mais il a pas gagné. Et un rural egg. Donc franchement, dans tout ça, ça j'aime bien, ça a l'air bien. Et ça aussi, mais Mythical Egg, vas-y. C'est bizarre quoi, non, bref. Ça c'est mon avis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Donc là, j'ai regardé des images à propos de ça. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de dessiner le Ocean Egg, comment il l'imagine. C'est grave beau. Donc moi... Attendez, vous voyez pas? Oh là là. Donc les amis... Waouh, genre, je sais pas comment elle a dessiné. Il est trop trop beau, j'aime trop. Donc, j'aime trop les ailes, comment elle a fait. La couleur, elle est trop belle. Et surtout, l'étoile, genre. Là, on est vraiment dans le thème d'océan. Je vais voir s'il y a d'autres images, parce que ça se trouve, il y en a des meilleures. Mais elle est magnifique. Donc, ici, on a une personne qui pense, enfin, qui met tous ces animaux qu'elle pense qu'il y aura dans l'œuf. Donc, elle a mis un dauphin. Franchement, c'est bizarre. Genre, je sais pas comment l'imaginer, mais bref. Elle a mis un poisson, donc c'est un peu logique qu'elle met un poisson. Elle a mis un requin, elle a mis un orc, un requin, un crabe, une poulpe, un calamar, un homard, une crevette, une tortue et une baleine. Franchement, la baleine, non, c'est pas possible. Comment tu peux mettre une baleine dans un jeu? J'imagine pas, donc voilà. Et après, elle a mis ce sont toutes mes idées. J'espère voir l'œuf de l'océan dans le jeu. Donc moi aussi, j'espère le voir. Mais franchement, tes idées sont bien, mais c'est juste, je sais pas. Genre, j'arrive pas à imaginer. Genre, c'est bizarre. Non, j'imagine pas. Je sais pas. Donc voilà. Aussi, j'ai vu plein d'autres images. Donc attendez, je vous montre. J'ai vu des gens qui ont dessiné, même dans genre vraiment dessiné, genre avec leurs mains et tout. Attendez, je sais pas si je vais retrouver. Ah voilà, donc non c'est pas ça, ah voilà. Donc ici déjà ils ont imaginé le requin, donc je l'imagine mais genre il va voler, un requin qui vole, bref, c'est bizarre. Ah oui, ici donc voici la personne qui a dessiné, c'est grave beau, genre elle dessine grave bien, moi je sais pas dessiner comme ça. Il y a plein de monde qui nous raconte leur vie et j'ai vu ça, elle a fait, enfin non, elle a trouvé une image où elle peut penser comment ça rendra une licorne en poisson. Donc c'est bizarre, ça a les cornes en poisson, mais c'est moche en fait. En fait, il peut mettre, mais je sais pas, genre. Après ici, il dessine plein de petits dessins. Voilà quoi. Après ici, le requin, il est légendaire. Ah ouais, j'imagine pas en fait. Ici, elle met les pets qu'elle peut imaginer à l'intérieur de l'œuf et tout. Bref, en tout cas, en fait, je sais pas. Genre, pour l'instant, ils ont pas encore dit si c'est sûr. Et... ils n'ont pas encore dit c'est quoi la forme de l'œuf et tout. Bref, voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi je sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Bref, si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé la vidéo, pourquoi je dis ça? Oh, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye!